moi, j'aime ça, la bière. Puis, ça donne bien aujourd'hui. On a de la bière à boire, de la bière de Saint-Tite. Et puis, Simon Belleroth de l'entreprise À l'affût, elle vient nous présenter des belles bières. Fait que si tu peux, tu pourras peut-être nous expliquer un peu comment que l'entreprise est née, puis d'où c'est que ça vient, ça, À l'affût, au départ. À l'affût, on est une coop de travail, une coop brassicole. Donc, en date d'aujourd'hui, on est 11 membres dans la coopérative située à Saint-Tite, dans un des premiers magasins généraux de la ville de Saint-Tite. Fait qu'une maison qui a 151 ans cette année. Donc, on fête nos 10 ans cette année. Oh On fait yeah! de la bière locale. Vous en faites Donc, pas mal, la bière on en aussi. fait pas mal. On en fait pas mal, mais on va en faire beaucoup plus. Combien de bières vous pouvez faire? Combien de sortes de bières? Je te dirais, dans le calendrier, dans le livre de recettes, c'est énorme, là. Énorme, On ah s'est amusé beaucoup dans les dernières ouais. Une années. trentaine? Oh non, non, on dépasse les centaines Ah ouais, de il est en produits barre rouge. probablement qui sont sortis. Mais là, on s'est arrêté sur cette gamme-là. 10e anniversaire, on resserre la Sur ces vis. 100 bières-là, il y en a une qui s'appelle la La Baptiste. Baptiste. Juste pour trouver mon Baptiste. Ah oui, je suis bien heureux de ça. Ouais, C'est que des honneurs. fait que c'est ça, nouveau branding cette année, nouvelle microbrasserie qui rouvre à côté de celle qui existait déjà à Saint-Tite. Resto Pub qui est déjà aussi Ben, à Montréal. ouvert à À Montréal et à Montréal. Saint-Tite, ouais. Fait que depuis mars, on a ouvert à l'affût Montréal, donc un Fait que superbe c'est un endroit. peu qu'est-ce qu'on retrouve à Saint-Tite, mais à Montréal, le même menu un peu du pub. Même genre de menu, même ambiance, très cow-boy, de très bonnes bières. On a 40 lignes de fût là-bas, 20 lignes à Saint-Tite Chapeau de et cowboy et compagnie. chapeau de cow-boy, bottes La de grosse cow-boy. barbe. C'est correct, En ça? parlant de bottes de cow-boy, vois-tu, regarde, on a la bière qu'on déguste aujourd'hui, la Boulée, qui est en l'honneur des bottes de cow-boy Boulée, qui a été fait cette année. Donc, on a ta bière à toi, Baptiste, mais on en fait pour d'autres aussi. Fait que la Boulée, qui est une bière à la Brette, Fait que vieillie 6 mois. tout le monde peut avoir sa bière. Ben, si on se met en enfer pour tout le monde, ça va peut-être être un peu tough, mais non, on essaie d'aller chercher les gens qui nous entourent, Non, puis c'est des belles collaborations qui fait découvrir les entreprises d'ici. C'est donnant-donnant, tu sais, comme avec la bière Baptiste, on fait parler du village du Bûcheron, puis on est bien heureux de ça. Ben, félicitations pour tout ce qui se passe avec À l'affût, puis félicitations pour l'année prolifique, là, qui est tout ce qui se passe de beau. Puis on peut souhaiter que du succès. Merci, mon Et cher. puis on va en profiter pour en prendre une bonne gorgée de cette bonne bière-là. Merci d'être venu, Simon. Cheers. Bon là, Baptiste, notre bouillon est prêt. On a sorti nos pâtes. On va les refroidir un petit peu pendant ce temps-là. Toi, tu finis tes boulettes. Fini les boulettes. Tu les enrobes de farine. Ben, je trouve que ça va mieux. Tu sais, ça fait des boulettes qui se tiennent un peu plus. Et puis, en même temps, ça va épaissir la sauce un peu. Ça va épaissir le bouillon. Bon, ben c'est bon. Fait que Fait moi, que... ceux-là, je vais les mettre à cuire dans le bouillon directement. Comme ça. C'est bon. Vas-y, pendant ce temps-là, tout le monde, donc, comment on fait des plats? On va faire... Des plats de la Mauricie. Des plats de la Mauricie. Fait que dans le fond, moi, j'ai mon petit truc. Je prends du beurre qui est gelé et puis je vais le passer comme ça en rompe à fromage. Puis je vais l'envoyer direct Puis là, t'as-tu dans une ma farine. quantité ou tu y vas de même aller? J'y vais pas mal de même, mais je dirais que là, ça dépend du... D'habitude, là, je prends le temps de checker ça. Ouais, t'es préparé, ça Là, va bien? comme je suis arrivé très préparé aujourd'hui, ben j'ai tout calculé mes quantités à l'avance, et puis on fait ça. Non, Mais mais regardez, c'est le même souvent dans la c'est vraie vie souvent le aussi. même. Mais regardez comment ça se fait bien. Ça se mélange déjà tout très, très bien. On va mélanger le beurre qui est gelé dans la farine. Ça s'incorpore naturellement. C'est un bon petit truc, ça. Faut que ton beurre, ça aille bien gelé. Ça, c'est comme le pain. Ça a l'air moins dur. Là, ça marche, par exemple. Okay, pendant que tu fais ça, moi, je vais montrer comment on écaille des œufs de caille. C'est dur, les œufs de caille, parce que la pelure, en fait, la coquille, elle reste collée sur l'œuf. Et puis là, on les a fait cuire 3 minutes pour les avoir cuits durs. L'idée, c'est vraiment de les casser complètement sur le bord. Et là, il est bien cassé. On va aller chercher un petit bout. Et dans l'eau, on va aller l'écailler. C'est la partie touchée. Des œufs de caille. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est vraiment bon. Fait qu'on va
se permet de le faire. Et ça donne un bel œuf. Tout écaillé parfait. OK? Donc ça, je vais les terminer tantôt. Moi, je vais rajouter un petit peu de poudre à pâte magique, là. Et puis là... Ouais, OK. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah! Oh, ça, c'est toujours le fun. C'est arranger chaud, hein? Les pâtes. La job, le fun des pâtes de cochon. Là, j'ai besoin d'un petit couteau. C'est très gommant. C'est la gélatine, la collagène qu'il y a dans la pâte qui est là. Je pense que je vais faire un œuf, une pâte, un œuf, une pâte. Mais on m'a refroidi les doigts. OK. On enlève ça. Un petit peu d'eau. Ah, aïe, aïe. Bon, ben moi, je vais te regarder faire. Je vais faire ça, là, tranquillement après. Je pense que c'est... Parfait. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Mais il faut le faire chaud, en fait, parce qu'un coup froid, c'est trop difficile. OK, ouais, ça se défend moins bien, hein? Ouais, une paire de gants, c'est le fun aussi, là. À job, je ferais ça avec des gants. Des mitaines de four. Des mitaines de four. Bon, okay. Fait que là, je commence à avoir une pâte qui est pas si pire. OK, fait qu'étale-moi ça, puis mets-moi ça dans les boulettes. Bon, fait que ça, je vais faire ça tantôt. C'est du gossage. Mais vous avez compris l'idée, là? J'allais aller voir plutôt tes boulettes pendant ce temps-là. Fait que, contrairement à Monique, ma belle-mère qui fait sa pâte à tarte avec de la Crisco, moi, je fais ça avec du beurre. Les boulettes vont être cuites quand ça remonte à la surface. OK. Qu'est-ce que ça dit? Fait que là... Je vais te faire une boulette. Tu vas me faire une boulette. On va voir ce que ça donne. Si on est capable de faire une belle plate. Hum! Ça a l'air bon. Le mot plate qui vient de comme genre pelote de laine, là. Tu sais, faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. T'es un peu élastique, ta pâte, mon frère. Elle est très, très belle, ma pâte. Elle est très élastique, ta pâte. Et on dirait de la pâte à pizza. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut que ça se tienne. Et puis que... T'aimes ça ferme. Oui, hein? Faut que ça se tienne. Okay. Une recette qu'on retrouve juste ici en Mauricie, hein, ça. Ben, en tout cas, c'est... quand on parle de ça aux gens, ils connaissent pas ça tant que ça. Pas tout le monde qui connaît ça. Et là, on la referme comme ça. Alors, on va en faire quelques-unes, puis on revient avec la recette. Bon là, Baptiste, on a avancé notre à-goût. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait? Bien là, ouais. On a fait bouillir les boulettes, on a fait bouillir les plats, on a mis du sel, puis on a épaissi aussi notre bouillon. Là. Fait que là, tout ce qui reste à faire, dans le fond, c'est assembler la pâte qui était désossée. On met ça dans le chaudron ici, et puis on va venir couler le bouillon par-dessus. On va essayer de ne pas brûler. Mais non, il ne faut pas que tu te brûles. Faut pas que je me brûle. Non. On ne fait pas d'accident ici. On fait ça. Tranquillement, comme ça. On peut l'épaissir plus que ça. On aurait pu l'épaissir. Ça dépend des goûts, là, tu sais, dans le fond. Puis il y a plusieurs façons de l'épaissir aussi. Il y en a qui préconisent la farine grillée. Là, on a pris de la farine régulière. Puis il y en a, ben, c'est au cornstarch. Moi, j'aime bien ça, utiliser le cornstarch. Je trouve que ça va très bien. Puis il y en a qui ne l'épaississent pas. Pendant que tu fais ça, Baptiste, moi, je vais sortir les bines. On va sortir les bines. Sont prêtes. Qui ont cuit pendant 8 heures. Regardez-moi ça, ces belles bines-là. Oh! Ça a l'air bon. Les bines à bière avec du canard, du lard. Wow! On parle de bines. Et puis là, mes petits œufs qui ont mariné, c'est devenu tout rouge. Hein? Ça, c'est des petits œufs intéressants. Ça reste des œufs à coque, ça reste des œufs marinés dans le vinaigre. Mais ça ajoute une couleur. Il y a un petit goût particulier. Et puis là, j'ai sorti les langues de porc, parce que là, c'est quand même du bûcheron. On parle d'un bûcheron. Tu veux-tu me les couper? Il te reste du bouillon à mettre dans ton ragoût, là. Ouais, bon, occupe-toi de ça. Moi, je m'occupe des langues. Occupe-toi des langues. On va mettre un petit peu de bouillon. Ça, avec des biscuits soda, c'est vraiment bon. Fait que c'est le genre de repas typique de bûcheron, avec une grosse bière, qu'on va une chope d'affaires.
On va trouver ça à Cookerie, au Bûcheron. Au village du Bûcheron. On va s'amuser à faire ça, moi puis Baptiste. Voilà. Un petit œuf, on va le couper aussi. Tiens, regardez ça, c'est beau. Tu veux-tu goûter? Pourquoi pas. Tu es willing de goûter à ça? On goûte à ça. Moi, je vais goûter à tes bines. La boulette au rhum épicé québécois. Avec la plotte. Mmh. Ça goûte le rhum. Ah oui? Mmh. Non, ouais. Moi, c'était ça, j'aime ça. Ça goûte ça, la plotte? Je sais pas. Mmh. C'est très bon. Mmh. Mmh. Allez, on goûte les épices. Mmh. C'est super bon. Ben merci, Baptiste. Ça me fait plaisir. D'avoir été ici. D'avoir été avec nous aujourd'hui, ça a été un plaisir. Ben oui, ben j'étais bien heureux de pouvoir partager ce moment-là avec toi, Justine. On est beaucoup bien avec toi. On invite les gens à venir au Musée du Bûcheron, soit faire la visite, oui, faire la visite et venir manger avec nous. Merci à vous d'avoir été là et à la prochaine pour une nouvelle émission de Chef Justine familiale. Fier de faire rayonner notre communauté.